Bonjour YouTube. J'espère que vous allez tous bien et bienvenue sur Immersive TV. Aujourd'hui donc on se retrouve, c'est reparti, entre guillemets reparti pour la saison 6 de Arc. Je sais que les vidéos ont mis un peu de temps à sortir mais là ça y est c'est reparti. I am back in business. Et du coup vous vous souvenez que dans l'épisode précédent nous avions été au tribunal organisé par la Jungle. Et vous vous souvenez surtout que ça s'est très mal fini pour nous, entre guillemets, puisqu'on a essayé, on nous a attaqué mais ne vous inquiétez pas, on a réussi à s'enfuir. Vous l'avez pas vu dans la fin de la vidéo mais je vous le dis, on a réussi à s'enfuir. Mais par contre, vous l'avez remarqué, ils détiennent captif Tikiki, notre petite gerbois. Donc dans cet épisode, on va partir, s'infiltrer dans la base tel des Solid Snake et récupérer ce qui nous appartient. A tout de suite. C'est reparti pour le chargement. Ok, on y est, faites gaffe. Ah, à partir de là, c'est la discrétion la plus absolue. On se pose où? Oh, c'est bien là! Attends, vas-y. Par où? C'était par ici, non? Restez bien bas. Ouais, c'est là. Ouais, on y est là, c'est là. Ah ouais, là, on peut passer dessous, clairement. On passe dessous, vous restez là pour les aigles? Ouais. Il y en a deux qui restent là, deux qui y vont. Du coup, j'essaie de les aggro, moi, les mecs? Je vois petit Kiki là-bas, dans la distance. T'es où? Ah ouais, vas-y, je te suis. J'y vais en rampant, Snake Eater. Comment tu rampes? Vous me dites si je dois aggro. Oh putain, il y a un mec devant moi, je crois. Ah non, c'est un dino. Je pense qu'il faut qu'on ait à genoux. Hein, bon pif, comme tu sens. Si tu le sens, ouais, sinon ah, non. Y a des weavers. Ils vous ont vu? Ouais. Ils vous ont vu, sérieux? Barrez-vous s'ils vous ont vu, hein. C'est une weaver là. Non, je crois qu'elle nous a pas vu. Hein. Ben, si elle nous a pas vu, c'est qu'il est vieux le mec. Je vais me planquer ici. Voilà. La jungle. Le singe, il est au même endroit, Guy? Elle va te cacher, je vais m'en occuper. Il y a la lumière dedans, faites gaffe. Ah mais c'est la lumière de tout à l'heure, il faudrait que... Putain, si la porte est fermée par contre, on va la voir dans le... Eh ben alors, petite junglette. Ouh, c'est le cowboy. Ouh. La porte est fermée, Guy. Ouh. Il faut, qu'on casse le mur. Mais le problème, c'est que si on fait ça, les animaux, ils vont nous attaquer, je pense. Ah, ça lag. Petit. Putain, merde. Comment on peut faire? Pouvoir faire le grand tour. J'aime bien la façon d'attirer de Bourpif. Ouh, c'est le cowboy. C'est moi, je suis le cowboy. Je suis juste là. J'ai envie de lancer des greux, mais je me demande. Putain. Merde, ah, j'ai mangé une viande rôtie. Putain, je suis trop bête. Oh là là là. J'ai envie de tenter la grenade, Guy, mais je me demande si ça va aggro ou pas en fait. C'est ça le truc. Guy, je vais tenter. Attends, je pose des pièges. Eh, je vous attends, moi, pour le duel là. Allez hop, venez. Guigui, vas-y. J'y vais, fais gaffe. Pas dans votre case. Pas ces caca, ça m'intéresse pas. C'est bon, ça a l'air de marcher. Je vais en garder. Encore un peu. Pour... C'est quoi que t'as mis? Petit Kiki, on va foutre le feu. Vous parlez pas. Ah ouais. Ah ouais, je suis bien sneaky là. Bien planqué derrière une. C'est quoi? Ah putain, l'aigle il était pas en passif. Est-ce que le mur il prend des dégâts? Tu peux regarder, Guy? Ouais. Oh là là, vous êtes. Ça a l'air de suffire ou pas? C'est un deck. Ouh, non, c'est super long. C'est super long? Ouais. Bah, le problème de Wither, c'est que ça tourne pas forcément beaucoup. C'est un peu chiant, ouais. Il s'est cassé, non? Oh, y a un aigle qui se casse là, qui bat. On dirait pas. Oh, y'a qui crame. Fais gaffe, Guy. Hein. Putain, l'aigle bonjour. Il est en train de me faire super mal. Fais gaffe, Guy. Au pire, il faut taper le mur avec une épée. Mais j'ai rien pris moi, tu vois. Mais on parlait. Bon, attends, c'est pas grave, normal, je m'en occupe. Hein. Allez, défense feu. C'est vous qui faites niquer le. C'est nous qui foutons le feu, ouais. D'accord, ok. Il y a des wyvernes. Elles sont là? Ouais. Éloigne-toi du feu. Moi, je me suis planqué, les gars. Venez ici. Éloigne-toi, il faut courir, Guy. On se casse, on revient par là. Viens de te récupérer, Guy. Je repars là où j'étais venu. J'ai la weaver dans nos culs. Est-ce que ça a fait un trou dans le mur ou pas? Non. Putain, fais chier. C'est bon, je suis au point de rendez-vous. Vas-y, barre-toi. Moi, j'ai pas pu passer. Je suis derrière Lady Malo. T'es où, Mutsu? Je suis dans la base pour le moment, mais ils savent pas où je suis. Je suis là, moi. Prenez Guy. Vas-y, chope Guy, Malo. Ouais, je le chope.
Éteins ta torche, éteins ta torche. Ah putain. Tu me dis si t'as besoin d'aide, Moutou, je viens te sauver. Ouais, ça marche. Je suis au niveau de tous les golems là. C'est bon, Lady. Je vois pas grand chose. On se casse, on fait quoi là? Non, on se casse pas. Et le problème c'est de casser le mur pour arriver jusqu'au singe en fait. Hop, en mode sneaky, hein? Sneaky avant tout. Y a un et mec, c'est là, reparti pour un tour. Coucou. Y a des mecs, hein. Ah, ça lag. Y a des mecs juste à côté du paracer. Ah ouais, ça lag chaud. Ça lag chaud. Mais j'ai rien fait, moi. Barrez-vous. Mais il m'a chopé. Arrête, sérieux? Mais oui. Mais j'ai rien fait, moi. Oh. Je t'avais dit de te barrer, Valo, putain. Fallait se barrer, ouais. Ouais, qu'on se casse. Moi, je suis toujours à la base, alors, du coup. On me cache. Et l'aigle, comment on fait pour l'aigle? On va le récupérer, Guy. Putain, ça n'a rien fait au mur. J'arrive pas à le singe. Et c'est rapide une huverne, quoi. Ils l'ont foutu où? Je crois qu'ils l'ont récupéré, le singe. Ou alors ils l'ont tué? Non, ils l'ont pas tué. Je vois plus. Petit Kiki, putain, s'il est là. 5300. Ça lui a rien fait au mur, putain. Je casse le mur. Ah, mais ça lag! Malo, c'est tu es. Tu as piqué ton aigle, Nico, je me casse. Malo, tu es où toi? Planqué. Reste planqué, hein. Casse le mur, les gars. Il est où, lui? Il est derrière moi, le monsieur. Oh là là, j'ai une wyvern et j'ai tous les trucs au cul. Oh, comment je suis tellement bien sneaky là! Bah, essayez de vous barrer en aigle. Essayez de vous barrer, nous on rentrera à pied. Putain, je vois petit Kiki. Moi, j'ai réussi à récupérer. Moi aussi, je le vois. Malo, fais gaffe, je suis pas loin. Oh, je suis juste à côté d'un. T'approche pas, je suis en train de tout défoncer à l'épée là, fais gaffe, hein. Des wyverns au cul. Y'a un Sabertooth à côté de moi. Fais gaffe. Il est en train de tous les mettre en. En agressif? En agressif, je crois. Oh l'enfoiré. Bah, essaye de me rejoindre alors, Malo, si tu peux. Attends, mais je sais pas où t'es là. Je suis vers là où tu as vu va... petit Kiki. Non, mais je suis pas juste à côté, je le vois, mais je suis pas à côté. Putain, c'est chaud. Mais je suis juste... les serviettes. Pour l'instant, je suis juste trop bien planqué, quoi. Lague. Alors, reste planqué. J'ai bientôt cassé le mur, les gars. Fuck, ils m'ont vu? Non, ils me voient pas. Non, vous attirez tellement bien leur attention, c'est parfait. Je crois que c'est moi qui cherche, quoi. Merde, lui m'a vu, je crois. Ça me voit tellement pas, c'est trop drôle. J'adore. Par contre, il y a un aigle qui survole la... Non, il s'est posé, ça y est. Et la wyvern... Ok, j'ai fait un trou dans le mur. T'as fait un trou dans le mur? Ouais, ouais. La blague. J'ai le singe. Qui? J'ai le singe. Bah, j'ai la bestiole. Je suis sorti. Oh putain. Ah, y'a un mec. Je viens de croiser un mec, il m'a pas capté. Il est passé devant moi, le gars, quoi. Moi aussi, il putain, merde, il me suit. Je suis suivi. Oh, je suis putain de suivi. Il est repassé devant moi. Je lag. Non. Vous êtes où? Dans la base. Moi, je cours là pour ma vie. Je suis en mode sneaky, mais tellement quoi, dans les buissons et tout. Ok, je suis sorti de la base. Wyvern au cul, vous pouvez vous barrer ou pas? Je pense, oui. Je fous le feu là pour pas qu'ils puissent passer. Ouais, ils pourront pas passer. Par contre, putain, comment je vais sortir de là maintenant? Oh, tu fais comme moi, tu te fous dans les plantes, ils te voient pas. Non, mais je veux dire pour sortir de leur base en fait. Mais faut que tu passes par le dessous. Allez, rapide, enculé de Wyvern. En plus, moi, c'est bon, j'ai réussi à sortir. Hein. Mano, barre-toi, barrez-vous tous. Je peux pas partir par contre, je suis en mode. Allez, avance. Par terre, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends, genre, mais moi aussi je pars en courant, Mano. Genre, là je peux pas partir en courant, ça ils sont en train de chercher tout autour de leur base et tout. Putain. Quoi. Au pire, suicide-toi, Mano. Si tu sens que ça pue, Mano, tu te suicides. Non, bah là ça. Ouais, j'avoue. Mais là ça va, là, je suis. T'as aussi un aigle au cul maintenant, là? Ah ouais, j'aurais aussi un aigle au cul. Je suis allé semer grâce. Oh putain de merde! Putain, je dois être tellement pleine de fourmis! Rasmot, Bourpif, fais du Rasmot! Rasmot alors, Bourpif, ça passe! Mais qu'est-ce que je vais faire? J'ai essayé de les choper en fait, tu vois, histoire de les. Moi, je suis en train de faire tous les buissons un par un! Putain, je peux pas passer par là, fuck!
Là ça me rapproche trop de leur porte. Putain, il m'aurait fallu un parachute. Regardez. Il m'aurait tellement fallu un parachute, les gars. J'en ai un au cul encore, j'ai encore un aigle. Autant les autres, ouais, je peux pas les paumer. J'ai réussi à rentrer, ma gars. Le Razmod, ça a servi. Hein. Bien joué. Ils peuvent pas vous choper avec les trucs. Sauf quand t'as un aigle aussi en même temps. Il me faudrait. Eh ouais, il est poursuivi par un aigle aussi. Ah ouais, putain, c'est chaud. De relancer une guerre contre la jungle. Ah, non, on a juste fait une mission de récupération de Mutsu. Non, c'est pas Mutsu Kiki, c'est le petit Kiki. Peut-être que là, je les ai paumés. Tant dommage. Peut-être venir en sauver un à leur base. Collatéraux. Ah ouais ? Ouais. Bah, moi, je suis en dehors. Oh putain. Ah, si t'es en dehors, c'est top. Attends, je crois qu'ils. Oh, ils se sont posés dehors. Hein. Oh la vache, je ne bouge plus. Ils se sont posés où dehors, Malo ? Là, pile poil là où on s'était posé. Oh putain. Moi, je me barre par l'autre côté du coup là. Ah bah je vais essayer d'y passer, de le choper moi aux autres. Là je vais dans le canyon. Essayer de les aggro encore. Guy, tu peux venir me chercher? Oh fuck. Ah ouais, il faut juste que je récupère des vies, allez go. Je suis dans le canyon, à côté de chez eux, il y a le canyon, tu sais, qui est la prolongation du canyon. Je suis dedans, ouais. Tout en bas là où il y a de la flotte. Tu sais, ce grand canyon où il y a de l'eau là. Ok, j'ai essayé. Ah, t'as réussi à sortir? Ouais, je suis parti. La mission. Ah, ils sont là, ils sont de nouveau derrière moi. Barre-toi, Bourpif, hein. J'essaie de sauver de Malo. Oh putain, ils vont choper. Merde, Jens. Putain, merde. Oh, faut pas qu'il me voie, il est passé au-dessus de moi. Oh putain, il y a la. Ah, mais si, c'est toi. Oh, c'est toi qu'ils ont chopé. Brûle. Mais j'arrive pas à voir au-dessus de moi. Je suis dans le canyon, Guy. Mais je vais peut-être mourir parce que je suis poursuivi par des millions de bestioles. Dès qu'il te pose, tu te fous dans les herbes. Tu te t'accroupis. Ah non, je suis bloqué. Tu je vais mourir, Guy, je pense. Oh non. Et tu te fous dans les herbes. Vous arrêtez pas, je suis bloqué. C'est la merde, votre base. Je vais mourir, Guy, je pense. Je me fais agresser par. Je suis glitch. T'es où? Plein de bestioles. Ah, les mais ne bouge pas, j'ai pas bougé. Attends, parce que j'essaie de les faire aggro le paracer, ça peut peut-être me sauver la vie. Vous mourrez jamais. Oh, enculé. Non. Est-ce que tu as pu aller? Ah, je m'en suis sorti. Laisse-moi toi, putain, laisse-moi. Tu vois un rayon jaune? Attends, je peux pas, Guy. Juste un rayon jaune, négatif, Guigui. Vous ne mourrez jamais vivant. Ils sont mis à la tour bleue. Enfoiré, il a tué mon cul. Ouais, mais le canyon, il est sur la droite. En fait. Par rapport à notre base? Par rapport à eux. C'est sur la droite. Si tu veux, c'est pas, ça m'aide pas. Par rapport à leur base, en fait. Là, je traverse un truc, quoi, de toute façon. Il te faut que tu trouves ce grand canyon, Guy, avec l'eau en bas. Ah ouais, ça y est, j'y suis, là. Écoute, moi, je suis dedans. Quand le remonter. Non, laissez-moi, culé. On arrive, mon pif, hein, j'ai pris des renforts avec. Non, on arrive. Ah, mais je suis mort, laisse tomber. J'ai pris au taquet de bouffe, de toute façon. Et Malo, tu as pu te barrer, toi? T'es vous qui allez payer, fiche. Ouais, c'est ça, ouais, je vais m'occuper de votre cas. Non, moi je suis en mode sneaky. Guy, je suis après les rayons jaunes. Oh lol, bien joué, Malo. Vous ne mourrez jamais vivant. T'es où? Ah, je te vois, Guy. Vous ne mourrez jamais vivant, je vous le dis. Du coup, en dessous de toi. En dessous de toi, Guy. Regardez, vous ne mourrez jamais vivant. Sur ta gauche. Sur ta gauche. Je suis là, Guy. Jamais. Faut que tu m'attrapes, il y a un loup qui veut me défoncer. Vous l'avez dit. Bien joué. T'as mis des salauds. Ouais, j'ai vu, ouais, bien joué. Putain, ils ont tué mon Kunz, quoi. C'est bon, vous êtes chopé ou pas? Ouais, on arrive en renfort. Attends, poste-toi, Guy. Poste-toi, et je vais prendre la Wyvern, je pense, du coup. Bah oui. On va essayer de choper Malo, et on va se barrer. Et tu peux lui dire de s'arrêter? Putain, je suis en train de mourir de soif, Guy. Trouve un insecte. Ouais. Elle est partie loin. T'as réussi à la voir? Ouais, attends. Bien joué. T'avais pu vous barrer, vous? Non. Non, pas encore. Moi, je suis trop sneaky et toutes les Weavers n'est pas au-dessus de moi. Enfin, là, ça va pour l'instant, mais. Là, ils étaient tous sur moi pendant un moment. Oh putain, sérieusement, oh, le jeu là?
Guy, je peux pas récupérer la wyvern. Donc il va falloir qu'on s'arrache d'une autre façon. Je suis en train de mourir de soif, Guy. Il faut que tu me ramènes au lac, s'il te plaît. Yes. Ouais, c'est la canicule. Et quel con. Allez, pose-toi, petite wyvern. La base est par là, ouais. Ah oui, on est bientôt arrivé. Malo, on va venir te chercher, t'inquiète. Hein. Essaye de trouver un endroit où tu seras suffisamment en évidence pour qu'on puisse te récupérer facilement. Surtout à l'abri. Et ensuite, on se casse. Non, mais donc, je suis caché là. Du coup, je nique leur armoire. Tu es du côté où on s'était posé, c'est ça? C'est plus à gauche, Guy, la base. Ouais, c'est ça, ouais. Ah non, c'est là, my bad. Donc c'est de ce côté là hein, c'est ça? On va venir te chercher, ouais. T'inquiète. Oh, normalement, je suis de ce côté là. Oh putain. Oh putain. Voilà. Oh tu m'as tellement posé sur le bord, Guy. Bien joué. Bien joué. Mais genre ils s'en rendent même pas compte en plus hein. Et s'ils sont pas encore retournés dans la pièce. Par où? Comment on sort d'ici? Ah y'a plus d'armoire. Lol, y'avait quoi dans l'armoire? Je sais pas. Je suis trop loin, attends. Depuis tout à l'heure je tire avec. Ah tu tires avec la flèche, mais le. Oh bah oui. Je m'éclate, je m'occupe pour l'instant. Lec, tu veux le poser dans les pics. Limite je pourrais aller encore plus près et continuer quoi. Il me voit absolument pas. C'est ça qu'il faut faire en fait, hein. Faut se cacher dans les buissons les gars. Ouais ça marche plutôt bien hein. Ah ouais, ouais. Il nous voit mais pas du tout quoi. Sauf quand t'as déjà des mecs à ton cul quoi. Ah oui bah, non bah là après ça, grand chose. Il m'a chopé en wyvern et une fois qu'il m'a lâché, hop buisson, je suis partie direct. En mode moi la différence c'est qu'ils étaient tous à m'attendre en bas. Ah oui d'accord. Effectivement. Le mec il est passé trois fois devant moi quoi, il m'a même pas. En même temps, c'était le but recherché, bon pif, non? Ah bah bien sûr, c'était le but recherché. Les jungles, vous êtes des junglettes. Ah bien sûr que c'était le but. Ah, ah il est là, ouais. Kiki, regardez, c'est lui qu'on a sauvé. Il est là. Bon bah, va falloir te faire faire un autre petit kunst. Ok, Malo. Malo. Chupacabra. Chupacabroch. Ah, tu vas en wyvern? Ah bah ouais. Je pense que avec le speed qu'elle a. Elle la manque pas alors en passant. Non, par contre, je vais avoir qu'un seul essai, ouais, c'est ça que je me disais. Et là, je vais avoir plusieurs essais par contre pour essayer de sortir. A fortiori. A fortiori ça a beau voler ça se coince bien matinal, ça a mal quoi. Waouh putain. Ok. Je disais donc Malo, j'arrive. Ok. Pour l'instant il y a absolument rien au-dessus de moi. J'ai envie de venir te chercher un kangourou quoi. J'avais pensé, figure-toi, mais je me suis dit, putain, le trajet va être long. Putain, y'a une wyvern là. Wyvern suivie d'un aigle. Ah, c'est eux ça. Tu crois? Ah, mais. Eh, les gars, allez à la base et puis allez aux tourelles là. On sait jamais, hein. On n'a pas de munitions. On a pas de bolas. Sérieux? Mais ouais. Si, j'en ai fait. Ah ouais? Mais ouais. Mais t'as fait quoi? Des boulets? Des grosses bolasses. Ouais, il m'a aidé à en faire. Malo? On a fait combien? J'arrive là, hein, je suis là. Il peut y avoir des masses, il y en a un peu, ils sont dans le smithy. C'est sur le bord, on est d'accord. Ah, mais j'ai pas de longue vue. Je me remets droite, voilà, je suis là. Est-ce que tu. Tiens, là. Pas le fibre pour bois. Attends, parce que du coup. Je charge. Est-ce que tu me vois? Non, absolument pas.
Mais juste. Normalement, tu devrais me voir. Oui, là, là, sur ta droite. Sur ma droite. Ah, tu t'es pas vu, Malo. Derrière toi. Ma chatte et le pâté. Je te vois toujours pas, Malo. Oui, c'est sûrement moi. Je te vois toujours pas. Oui, oui, non, un petit peu à gauche. Gauche, gauche. Tu peux pas te mettre. Là. Plus en évidence. Je te vois pas, Malo. Là, là, derrière toi. Derrière toi. Derrière toi. Derrière toi. Tu es où? Tu es sur la falaise ou pas? Allez, derrière toi. Là. Est-ce que tu es sur la falaise? Là, tu me vois sauter là? Non, je te vois pas. En face, en face, plus haut. Je te vois, ça y est. Je suis juste à côté. Je t'ai eu ou pas? Loupé. Ok, j'arrive. Bien là. La fibre. Loupé. Mais fuck. Viens vers moi. Je peux pas. Viens vite. Non, je peux pas. Y'a un caillou. J'arrive. T'aurais dû prendre un aigle. Tu es dessous là? Ouais, je suis en dessous. Mais please! Vas-y, mets-toi en dessous. Vas-y, je suis en dessous. De ça y est. Ah, le sketch. Putain, mais ça marche pas! Ouais, ça rend fou, je sais. Saute! Ça va pas ou quoi? Saute. Ils arrivent, Malo. Non, tant pis, laisse Malo. Je vais me planquer. Saute! Mais moi, je vais pas pouvoir partir après, Malo. Je suis pas venu pour rien. Saute! Aïe! Mets-toi en dessous. Là, ouais, jeté là. Vas-y, roule. Presque plus de vie, hein. T'inquiète. Que j'ai de la bouffe. C'est de la bouffe. Ah d'accord, je peux pas manger quand tu en. Moi, je freeze. Non, tu peux pas. Bon, bah tant pis. Mais on est bientôt arrivé, t'en fais pas. Eh ben, bien joué, les gars. Ouais. Et si on te fait kiki. Vous rentrez, après on les nargue sur le chan. On attend que vous rentrez. J'aimerais bien attendre qu'ils s'en rendent compte, moi. Voir un peu ce qu'ils diront. Oh le bordel. Mais waouh, qu'est-ce que vous êtes fort. Il constate. Ah, vous êtes puissant. Oh. Donc, je jouis. Allez, on y est. Le bordel pour monter là-haut, quoi. Faut pas se faire. Tout le monde s'est fait violer, plus ou moins. Ils ont violé Malo, ils ont violé Bourpif. Pas violé là, moi. Ah ouais. Pour monter où, Bourpif? T'es fait violer, toi, Nico? Ouais, moi, il y a quelques temps déjà. Dans la tour. Et c'était pas réellement un viol. Ah, mais parce qu'il faut apprendre le chemin en fait une bonne fois pour toutes et après c'est facile en vrai. C'était une entente. T'as vu, c'est quoi le chemin du coup? Je vais vous montrer.